Alors bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors bonjour les filles et les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors mon nom c'est Moïka, pour les nouveaux ici, et je vous invite fortement de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer aucune vidéo de moi. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vous viens avec une vidéo d'organisation et préparation de repas pour bébé. Donc si vous êtes enceinte présentement ou que vous êtes déjà maman et que votre enfant arrive vers les 6 mois, vous savez que le bébé va commencer à pouvoir manger des céréales, des petites compotes, des choses comme ça, vous comprenez. Pour que le bébé mange. Moi justement, j'ai eu mon deuxième garçon très récemment, il a bientôt 7 mois, donc ça fait déjà un mois et demi environ qu'il mange de la purée pour éviter justement de gaspiller des sous en achetant des purées en magasin, qu'il y a souvent plein de choses mélangées dedans et tout. Et si vraiment vous achetez les vraies bonnes marques totalement naturelles, comme par exemple Merpoule que j'ai acheté pour Riley l'année passée, ça coûte une fortune. J'ai décidé qu'avec Cameron, je ne ferai pas la même erreur, je ne vais pas acheter Merpoule ou d'autres grosses marques qui coûtent une fortune. Je peux préparer la nourriture de mon bébé comme je prépare la nourriture pour mon copain et comme je prépare la nourriture pour mon fils. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ça, je vais vous montrer comment que je fonctionne. Là il faut que je prépare des petits pots justement pour Cameron de purée. Là c'est salé ou c'est sucré? Parce que il faut préparer des purées sucrées ou salées pour vos bébés, parce que après avoir mangé un pot salé, vous donnez un sucré. Bon, ça dépend. Je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais moi je fais ça. Donc je donne un pot salé comme un légume, bœuf avec des légumes, un mélange de riz, blé, whatever, vous comprenez. Et ensuite je vais lui donner purée de banane, une purée de patates douces, des trucs vraiment pour faire comme une différence pour son goût. Et là aujourd'hui je dois préparer des pots salés, si je me trompe pas. Alors j'ai préparé un pot de légumes avec bœuf et un pot de brocoli. Ça va dépendre de ce que j'ai dans mon frigidaire. Donc sans plus tarder, j'ai assez parlé, on va passer à la vidéo. Donc je vais vous montrer comment que je fais. Donc voilà, sans plus tarder, on y va. Donc comme vous avez vu, j'ai sorti tous les légumes que je vais avoir de besoin pour préparer les purées de Cameron et bien sûr je vais les relaver. Ensuite, on va couper nos légumes. Donc, vous n'êtes pas forcé de les couper en petits morceaux comme vous allez voir que je vais faire, parce qu'à la base, on va les bouillir pour qu'ils deviennent totalement ratatinés. Car on prépare une purée, on ne prépare pas un repas. Donc, on veut qu'ils soient totalement ramollis. Donc, c'est sûr que si vous les coupez plus petits, ça va bouillir beaucoup plus rapidement. Mais si vous avez le temps, ce n'est pas une journée qui est trop chargée, bah, vous pouvez les couper quand même assez gros et juste prendre le temps de les laisser bouillir. Aussi, avant de faire cette étape, n'oubliez pas de préparer vos chaudrons avec l'eau et de les préparer sur votre fourneau et en fait de les préparer, comment on dit en français, genre qui chauffe en fait. Préparez vos chaudrons et l'eau et tout, parce que ça prend assez de temps à bouillir.
Donc là, on va mettre les légumes à bouillir une fois prêts. Vous pouvez les mettre tout dans le même chaudron. Donc comme moi, je vous avais dit, je préparais une purée de légumes et une purée juste brocoli et céleri. Donc j'étais déjà en train de préparer mon deuxième chaudron pour mettre les légumes. Donc c'est ça. Vous allez laisser bouillir le plus longtemps que vous pouvez. Vous pouvez même oublier que ça bouille. Laissez-les bouillir, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que ça devienne le plus mou possible en fait. Donc, dépendant de ce que vous voulez préparer à votre enfant, vous pouvez séparer les légumes comme moi je vous ai dit. Je fais un brocoli et céleri. Cameron, il aime vraiment beaucoup ça, ces deux légumes ensemble. Donc, je vais lui préparer à part. Et ensuite, je vais venir aussi ajouter un peu de céleri et de brocoli dans le gros mélange. J'avais totalement oublié d'en mettre dans l'autre mélange. Donc, vous allez voir plus tard que je vais en ajouter. Une fois toutes mes légumes en train de bouillir, je vais m'occuper de ma viande, donc le bœuf pour cette fois. Et je vais la séparer, je vais la couper et m'assurer que ça cuit. Vous pouvez également cuire le bœuf avec les légumes, mais moi je préfère faire ça séparément, juste pour m'assurer. En fait, je peux mieux diviser les choses. Comme je vous ai dit, je fais un pot juste de légumes et un pot légumes et bœuf, donc c'est plus mieux pour moi. Comme ça, je peux faire différentes variétés de purée pour Cameron. Enfin, on passe au mixage. Donc, on utilise ce mixeur de la compagnie Betty Crocker, si je ne me trompe pas. Donc, Riley l'avait reçu en cadeau de sa belle-mère, la maman à Reggie. Donc, c'est super. On l'utilise encore aujourd'hui. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'acheter un mixeur que vous allez juste utiliser pour les repas de votre bébé. Parce que si vous utilisez ce mixeur pour différentes choses, des épices variées, quand vous le lavez, il y a quand même un peu d'épices qui restent. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait, c'est que c'est jamais assez propre. Donc, juste pour être sûr, je vous le conseille, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais de vraiment acheter un mini mixeur comme celui-là juste pour les purées de vos enfants. Donc, comme vous avez vu, en fait, j'ai transféré les légumes à l'intérieur. C'est vraiment simple, c'est vraiment facile et ça se lave super bien. Vous pesez sur le dessus et c'est tout. Si vous me suivez ici depuis assez longtemps, vous l'aviez déjà vu car avant que j'accouche de Cameron, on l'utilisait justement pour faire nos épices. Et ça nous a pris presque 3 jours de le laver justement comme je vous expliquais parce que le goût de l'ail était concentré. Éventuellement, c'est sûr, on va recommencer à l'utiliser pour nous car on n'aura pas d'autres enfants bientôt. Mais moi, je vous conseille vraiment d'acheter un pour votre enfant. Donc là, il était un petit peu trop liquide le mélange car j'avais mis un peu trop d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vider totalement l'eau des légumes et juste ajouter le restant des légumes à ce mélange et le remélanger pour que ce soit un peu plus épais. Ça dépend de vous, vous y allez de la consistance que votre bébé préfère. Moi, Cameron, il aime vraiment ça, que ce soit assez épais mais quand même assez crémeux. Donc j'ai été pour sa consistance préférée. Et c'est ce que je vais faire pour tous les légumes. Donc on ajoute les légumes, ajoutez l'eau du mélange en fait. Prenez pas de l'eau du robinet parce que vous allez perdre toutes les protéines. Donc vous prenez un peu d'eau qu'il y a dans le chaudron pour faciliter le mélange. Mettez-en pas trop comme je vous dis, sinon ce sera trop liquide.
bœuf, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vraiment simple. La même chose que les légumes, vous allez le couper, le mettre dans votre mixeur. Entre-temps, Reggie venait de rentrer du travail, donc là, il est en train de me saluer, de me féliciter. Il était si fier de moi parce que l'année passée, comme je vous avais expliqué dans l'intro, à Riley, on avait juste acheté tout le temps. Donc, bien sûr... il était content. Donc, c'est ça que vous allez faire avec la viande. Donc, vous en mettez un petit peu avec le mélange de légumes et ce sera tout. Pour la viande, assurez-vous de bien le mélanger car c'est sûr que ça sera un peu plus épais. Donc, vous pouvez ajouter un petit peu plus d'eau quand il s'agit des mélanges avec de la viande à l'intérieur. Donc voilà, c'est terminé. Donc vous allez mettre vos purées dans un bol, peu importe quelque chose que vous avez qui pourra les conserver, parce que là vous n'allez pas pouvoir tout de suite procéder à l'organisation, de les mettre dans les petits pots parce que c'est trop chaud. Il va falloir les laisser cool down, comme on dit, se reposer. Et ensuite, vous allez les mettre au frigo et attendre encore un petit peu. Donc là, on était le lendemain matin, donc je me suis préparée pour faire ça. Donc ça, c'est les pots que moi, j'utilise. Vous n'êtes pas forcé d'utiliser les mêmes encore une fois. Moi, je montre ce qui va pour moi et je les ai commandés sur Amazon. Si vous êtes intéressé, ben, vous me direz, je vous donnerai le lien. Et c'est vraiment pas dispendieux. Je pense que ça vient en 18 et c'est environ 24$. Alors vous pouvez en acheter environ 3 douzaines dépendant de comment votre bébé mange. Donc là je vais commencer par la purée de brocoli et céleri et ensuite je vais procéder avec les légumes et tout. On va tout noter, tout marquer, vous allez voir, c'est vraiment ça s'explique en visuellement en fait, j'ai pas trop besoin de parler. Donc je vais vous laisser regarder ça et entre temps Reggie également va venir m'aider avec tout ça. Donc le restant que je ne mets pas dans des petits pots, je le mets dans des bols que je vais mettre au congélateur. Comme ça, moi, ça me sauve du temps aussi parce que Cameron, il ne mange pas beaucoup. Il n'a pas la grosse appétit de son frère. Lui, il est plus... il va manger relax, tu vois. Donc j'ai vraiment juste fait la quantité nécessaire pour la semaine. Et le reste, je le mets au congélateur. Bien sûr, on étiquette tout. Donc j'écris c'est quoi? J'écris la date que ça a été... créé. Comme ça, je sais exactement dans les alentours de quand que ça doit être jeté ou décongelé au plus vite pour que ce soit mangé.
Donc, un gros merci encore une fois d'avoir écouté cette vidéo. Toutes les informations que vous avez besoin de savoir seront en barre d'infos. Sinon, si vous avez des questions que je n'ai pas répondues dans la vidéo, n'hésitez pas à me laisser les questions en commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, voilà, c'est magnifique et tout ça va au frigo. Alors, je vous dis un gros merci d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit à la prochaine dans une prochaine vidéo. This is...